Et prenons maintenant la direction du Mont des Arts, où se déroule depuis ce matin un festival de culture urbaine, What's Up Brussels. On vous retrouve sur place en direct, Laura Duclerc. Alors on l'a dit, le festival a débuté ce matin, mais il va se poursuivre ce soir. Exactement, Michel, c'est un festival 100% dédié à la culture urbaine avec un programme très très riche. On a du sport avec du street basket, vous le voyez derrière moi. À la Madeleine ce soir, on aura de la danse, de la mode avec un défilé de mode, de la musique avec des concerts. Au Mont des Arts, il y a des food trucks un petit peu partout. Et j'ai aussi ici un atelier de street art où je rejoins Amouna. Amouna qui est chef de projet à l'origine de ce festival. Alors dites-nous quelle était l'intention, le message que vous voulez envoyer. J'ai vu que la jeunesse et le hip-hop étaient à l'honneur. Ouais, passer un bon moment déjà. Oui, non, le principe du festival, c'est de venir présenter une jeunesse très talentueuse à Bruxelles qui tourne autour de la culture urbaine. Donc il y a du skate, du street basket, du streetwear, du graff, de la musique, de la danse, un peu de DJing ici en live. Donc un peu tous les aspects de cette culture-là, mais à travers donc les jeunes, très 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 jeunes, disons amateurs aussi, et toujours encadrés par des professionnels pour leur donner la chance de s'exprimer eux aussi. Il y a des castings qui ont été faits en amont de ce festival, racontez-nous. Exactement, oui, on a mené des castings tout au long de cet été pour caster que ce soit des mannequins et des danseurs, pour leur donner aussi la chance de monter sur la scène de la Madeleine, une scène assez chic, et leur donner la chance de montrer aussi de quoi ils sont capables. Et c'est quoi le programme ce soir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à la Madeleine et au Mont des Arts? Alors, en première partie, vous avez 20 artistes belges qu'on a choisis, qu'on aime bien et qu'ils ont un produit correct et qu'on estime qu'ils ont la légitimité et le droit de montrer de quoi ils sont capables. Après, donc, les castings qu'on a menés pendant cet été, que ce soit en mannequin et danseur, ils ont travaillé tout le mois d'août pour confectionner en fait un show de danse et un défilé de mode. Et après ça, donc, il y aura nos parents qu'ils ont accepté de venir fêter ça avec nous, fêter la jeunesse bruxelloise, Bruxelles et le beau temps. Super, merci beaucoup Amouna. Alors vous voyez, vous pouvez venir ce soir à la Madeleine, profiter de tous ces spectacles et de l'art urbain. C'est ce soir, samedi, à la Madeleine. Merci.